UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Alexandre et je suis un des cofondateurs de Making Waves. Making Waves, c'est une association, on est basé en Seine-Saint-Denis et on fabrique de la radio et des podcasts. On est structuré en trois pôles. On a un studio d'insertion qui nous permet de travailler avec des gens pour les former au métier de la radio. Un pôle ONG qui nous permet d'installer des studios radio un peu partout en France et un peu partout dans le monde. Et un studio de création, on travaille avec différentes radios et différentes institutions culturelles. On est là aujourd'hui pour vous parler de la Radio Box. La Radio Box, c'est un projet sur lequel a travaillé Making Waves pendant 2 ans. On a eu différents partenaires comme Radio France ou l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle. Et on a créé ce petit objet, cette petite boîte bleue, juste à côté de moi. En gros, cette petite boîte, elle permet à des gens qui n'ont jamais fait de radio de prendre la parole sans qu'il n'y ait plus aucune barrière technique. En gros, on a voulu simplifier le dispositif radio pour permettre à tout le monde de l'utiliser. Donc, on a enlevé les boutons, tous les câbles, toutes les choses habituelles qu'on voit dans un studio radio et qui font habituellement très peur aux gens. Et on a tout mis à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a là une boîte extrêmement solide, qui fonctionne sur batterie, qui tient avec ses micros, son enceinte et tous ses câbles dans un sac à dos, donc qui est très transportable, et qui se branche en 2 secondes 30. Donc l'utilisation de la box est extrêmement facile, on a des pictogrammes derrière, on branche le micro 1, câble jaune, micro jaune, et on retrouve ici les petites pastilles des différents micros, on active, et on règle le volume, et c'est tout. Et quand on veut l'allumer, on appuie simplement sur l'activation, on règle le volume et là on entend. Même chose pour le micro rouge, le micro bleu et le micro vert. On a ici le volume de la musique. On peut brancher n'importe quel téléphone ou n'importe quel ordinateur derrière en mini jack. Et ça fonctionne. On branche ici les casques. Pour la diffusion, c'est tout aussi simple. Si on décide de diffuser ou d'enregistrer sur un téléphone, c'est possible. On prend le dictaphone, on peut démettre directement sur Facebook Live ou envoyer du son via Telegram ou WhatsApp. On peut brancher un ordinateur pour enregistrer directement dans un logiciel de son et monter son émission ou travailler son émission après. On peut utiliser, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des enceintes, des très grandes enceintes si on décide d'animer une soirée. Et si on a envie de faire de la FM, on peut également, bien sûr, brancher une antenne FM. La Radio Box est déjà utilisée sur tout un tas de projets dans tout un tas de pays, au Liban, en Tunisie, au Maroc, en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup en France, dans des différentes institutions, hein, que ce soit des services d'accueil de jour avec des mineurs, que ce soit dans des hôpitaux, dans des écoles. On travaille par exemple pas mal avec une association qui s'appelle La Cloche, qui a monté des antennes radio avec la Radio Box à Bordeaux, à Nantes, à Marseille et à Paris, qui fait de la radio durant des maraudes, hein, le soir dans les rues. On a tout un tas de projets, grosso modo, liés à l'éducation, la création, la santé et la formation. Voilà. En tout cas, si vous avez des projets, si vous avez envie de faire de la radio de manière simple, n'hésitez pas à nous contacter parce que faire de la radio, en vrai, ça peut être un jeu d'enfant. Au revoir.